الخايف شمعة طفالي طفالي ستيلو معمر مسهرني ليالي ليالي عدروني أهلي لاش تلوموني هكذا في حالي يا كمالي حايب نشوف بلادي في العلالي العلالي مشينا دي كيلومتر مع لامبت الله يرحم اللي مات في الظلمات شابي بغرقات كي لافوت نمشي وكوتا كوت للمامات حكموها لي سكيزوفران ابري عشرين سنة بدات تبان داوي بانوني بان لابات ياك الدولة زويرات صندوق الانتخابات سي بون جو ناس عويلات اسلمية كليكات وفولوات قلب زير ديفيزات اولا لا خوا خوا كاع الولايات يا خو كاينة خاينة والمسرحية باينة كاينة يا خو كاينة خاينة والأدلة كاينة جا نهار يا مسؤول وزور المؤسسة شباب صحة مسطول والحبوب المهوسة 42 مليون قاع فهموا السياسة ليبيري والكراسة بلادي ماتوا عليا جدادي جدادي يحيى والطلبة ولاد بلادي ولاد بلادي كيفاش حبيتوني الروندي الروندي كي شوف بترول غاز مصولدي مازال هما الجاني هما القاضي يوم الجمعة خرجوا الريام ساور جراب دين الاعلام خان العهد وندم حصول معروفين بالاسم يا دمار مهات السيستم قلي لي بني والدولة تدم صحيبا ما زلنا صبرين قاع قولوا للبرلمان الزوالي جم يتباع مجلس دستوري خان المجتمع دقوا المادة سبعة بيستوري رانا نشوفو قاع اي واليوم الشعب يريد لي رش الغاز لي باع الغاز يتحسبو قاع يا خو كاينة خاينة والمسرحية باينة كاينة يا خو كاينة خاينة والأدلة كاينة جا نهار يا مسؤول وتزور المؤسسة شباب صحة مسطول والحبوب الملوسة 48 مليون قاع فهموا السياسة شباب صحة مسطول والحبوب الملوسة 48 مليون قاع فهموا السياسة يطبق القانون وتليبيري والكراسة Bienvenue tout le monde. Je me présente en premier. Je suis Nazim Khmisti, étudiant au rang à l'IGMO en chimie, en Master 2. Et ce soir avec Destourou Nakieuf pour un débat national ouvert à toutes et à tous à l'occasion du 82e mardi des étudiants dans le but de pouvoir apporter des réponses qui pourront intéresser étudiants et pas que. Donc, ceux qui ont suivi la semaine dernière notre série qui a commencé et que ce sera le deuxième épisode. Ce soir, nous pourrons discuter dans continuité du débat du mardi dernier, qui avait pour titre « L'engagement de l'étudiant dans la vie politique ». Ce soir, nous n'allons pas trop nous éloigner, et cela en parlant du sens de l'engagement des étudiants comme acteurs et citoyens. Ceci dit, on va commencer les présentations. Amina, je te laisse te présenter. D'accord. Alors, bon, c'est Amina, voilà, étudiante en architecture en troisième année. Et voilà, active dans le Hira, qu'on va dire depuis le début. Voilà. Nadine, à toi la parole. Alors, bon, salam alaikum. Alors, moi, c'est Nadine, voilà, je suis étudiant donc, en écologie et environnement, deuxième année, la fac centrale.
Alger. Super. Donc, pour commencer directement dans le vif du sujet, on a pu entendre dans de nombreux débats que le désintéressement de l'étudiant dans la vie politique de notre pays n'est que le résultat d'une société qui, au fur et à mesure des années, a montré qu'elle s'est complètement retirée de la scène politico-sociale. Mais la première question de ce soir, est-ce que pensez-vous que la situation actuelle de l'étudiant algérien se doit de prendre les devants et de conquérir ce terrain délaissé il y a de nombreuses années déjà? Nadine, je te donne la parole. D'accord. Alors en fait, je pense que clairement, ça devrait être une des conséquences de en fait toute l'année 2019, je pense, en général, les étudiants, ils étaient complètement désintéressés, que ce soit de la vie politique, en fait, la vie en général, Kano. On va pas se mentir, la plupart, Kano et Houssou, tout simplement. Ou ça et ça a quand même changé beaucoup de choses. Et d'un coup, il y a eu une masse d'étudiants à GDA qui s'est intéressée. Même si c'était pendant un court instant pour certains, mais quand même qui sont intéressés à leur pays et qui avaient cet espoir de changer les choses. Et ben en fait, j'espère que ça va pousser ben, ceux qui comptent rester, ceux qui comptent continuer à militer que ce soit Felherakoula, à reconquérir ben, la scène politique, parce que justement, on se plaint souvent que les gens qui gèrent la scène politique d'Yanna, ils sont compétents, ils sont légitimes, mais donc ce serait franchement intéressant que justement qu'il y ait une nouvelle jeunesse, des gens qui pourraient amener des idées et qui pourraient essayer de concrétiser un réel changement. Donc oui, il devrait. Donc, comme tu l'as pu le dire depuis le 22 février, une prise de conscience remarquable et bien visible tout d'abord par les discussions impliquant l'actualité au sein de l'université du pays et signalant aussi généralement des revues et des activités par rapport au club scientifique qui a pu organiser des activités dans ce genre-là. Est-ce que Amina, toi, pendant cette période de Hirak, tu as pu remarquer ceci au sein de ton école? Pardon, je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que tu as pu remarquer des activités très conséquentes grâce aux clubs scientifiques et aux organisations, pas des organisations qu'on parle D'accord. liées au système, mais des organisations un peu improvisées de la part des étudiants? D'accord. Alors bon, au début du Hirak l'année passée, dans notre école, les cours, ce qu'on a fait, c'est que bon, il y avait un groupe d'étudiants qui était très actif. Bon, c'était majoritairement les représentants, on va dire, élus par promo, donc par vote légitime. Et voilà, donc ce groupe de représentants devait créer un groupe, un club qui s'appelle le Debate Club, chose qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent, mais on était quand même actifs, même sans avoir le titre d'un club officiel. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'au début du Hirak, on faisait des débats chaque jour, c'était chaque jour 2 à 3 débats limites dans tous les secteurs, dans tous les domaines, pour justement apprendre. Parce que, comme Nadim m'a dit, je trouve le Hirak, c'était un seul et non doute, en quelque sorte. Et on sait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur notre pays, et sur des épaveilles, donc on a ramené beaucoup de personnes. Bon, des gens qui parlent plus politique, des gens qui parlent plus économie, des gens qui parlent plus, je sais pas, la langue. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. Donc voilà, il y a eu beaucoup de débats par rapport à ça, par rapport au Hirak, par rapport à l'histoire, ce qui s'est passé avant. Et voilà, donc on était très actifs dans notre école. Bon, et c'était ouvert à tout le monde, bien sûr, à tous les étudiants. Mais voilà, c'était donc le début, 3 mois, 3 premiers mois, voilà, parce qu'on était toujours en grève. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Mais après la reprise des cours et des études, c'était plus possible. D'ailleurs, même après, bon, après il y a eu les vacances de l'été. Et après septembre qui traîna, il n'y avait plus ça parce qu'on refusait plus de nous donner des amphis, des espaces où faire ces débats. Et c'était très, très délicat. On a pu faire limite un seul débat. C'était le 1er novembre, à un certain événement qu'on fait chaque année. Bon, un club qui s'en charge de ça. Et c'était le dernier débat qu'on a fait d'ailleurs. Depuis le 1er novembre, on n'a pas pu faire bouger les choses. Donc, ce que je dirais, c'est que la masse, l'INA de tout début, a contribué à avoir
que l'étudiant ait plus de poids dans l'école, dans l'établissement. Donc, on avait le pouvoir de dire, on veut faire ça, donc on va le faire. L'administration, limite, était à Sénafina ou Chancolo. Ils acceptaient parce qu'ils savaient qu'on était une masse et on était surtout solidaires. Mais voilà, chose qui a changé après, des mois après. Voilà. C'est à peu près ce qui s'est passé généralement dans toutes les universités. En fait, on avait le rapport de force Exactement. par la fougue et par la motivation du moment. Et que je pense qu'au niveau de la reprise, comme tu as dit, un manque d'encadrement, que ce soit de la part des professeurs ou du système universitaire, n'a pas pu continuer dans cette lancée. Donc, Nadine, tu penses que, en fait, c'est un manque de confiance des étudiants du fait que d'avoir le rapport de force et des capacités qu'ils puissent faire, qui peuvent changer les choses au niveau de l'université. Si tu étais toi en tant qu'étudiant, si face à d'autres étudiants, qu'est-ce que tu leur conseillerais comme pour reprendre confiance en eux et pouvoir s'organiser dans ce genre d'initiative pour regagner le terrain et pouvoir organiser des débats comme on disait Amina et à faire des conférences dans des sujets autres, pas que concernant le Hirak, mais. Alors, c'est vrai que c'est, on va dire que c'est compliqué. Alors, en fait, déjà, juste pour dire quelque chose rapidement sur ce qu'avait dit Amina, c'est que carrément, à cause des événements, des élections en Théâtre 12-12, même les clubs agréés, donc les gens, les Mouallefine, ils déroulent des événements ou des événements sur le très normal, la santé, l'environnement et les trucs, n'avaient plus le droit de le faire. C'est-à-dire, on les a stoppés pendant un mois, Marbel et un mois de bad. On n'a pas le droit de faire des événements. Même les Canadiens ont agrément, mais dès que je l'ai dit, ou Zid, à chaque fois qu'ils nous après, donc qui est déjà 2020, donc ils nous diront, oui, donc nous faisons comme, etc., déjà le Covid, donc aucun événement. C'est-à-dire, il faut se dire quand même que depuis un mois avant, depuis novembre 2019, il n'y a pas eu d'événement en la fac. Kim m'appelle donc comment se réapproprier la scène, en fait, comment se réapproprier son université. C'est une question très essentielle, mais très compliquée en même temps. Parce que حنا ولفنا كيفاش نجيبو حقنا كي نكونو كاع غاشي وكي نكونو كاع اورغانيزي كيما كنا ben, في موا داف مارس افريل مي كنا لا بروف بور ben, بور لي بو نورمالمون ميم حنا في لافاك سنترال درنا افطار في لافاك Oui, en sachant qu'on n'avait les pas le droit loopholes, là. ou comme كنا غاشي ما قدروش يقولوا لنا لا لا كنا غاشي بزاف وما قدروش يقولوا لنا لا لا ويا ما يو كاع لي زيكول يا يو Ziani, mais ça a été compliqué. On voulait le réorganiser là, mais là, sinon qu'on a un donc. Le truc, c'est ça, c'est qu'on s'est trop habitué à tout faire, même le mouvement étudiantin. Il faut le jeter dans une conscience, même le mouvement étudiantin, qui nous faut le cadre en Bahreïn. Donc, en fait, ce que je dirais aux étudiants en général, en fait, les camarades, les maïak, soit les en première année, en deuxième, troisième, master 2, maintenant. Le truc, c'est que l'université, on va dire, qui te compte dans le flafac dialogue, l'école dialogue, ça reste quand même quelque chose d'accessible. Mais chez le parlement ou là, à la présidence, à l'administration dialogue, maintenant. Donc, en fait, ça reste quand même plus ou moins facile d'essayer de se réapproprier et tout, surtout quand on se donne une année, 2 années. Parce que si on n'arrive pas à se réapproprier juste la fac dialogue, qu'est-ce que tu veux te bédel le bled? Qu'est-ce que tu veux te réapproprier la commune dialogue, la wilaya dialogue, la ville dialogue? Alors que la fac, je crois, il y a quand même moins de bureaucratie que tu la wilaya ou là. Donc quand même, et en fait tout simplement, il faudrait faire des appels très simples sur les groupes ou là des gens, dire aux gens qui veulent réfléchir sur la fac, qui veulent essayer d'arranger les choses un peu, parce que on s'en rend pas compte, mais il y a quand même plein de gens, on va dire la majorité des étudiants, ils voudraient bien que la fac tourne ces gamins. On va pas se mentir, ils voudraient bien que la fac tourne, qu'ils soient dans des bonnes conditions. Sauf que là, je trouve que ben, les étudiants algériens sont à l'image du peuple algérien. La majorité, ou qui m'a la majorité quand même, qui a même les maganouchi. Sauf que ils attendent qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait un groupe de personnes qui lance quelque chose, qui lance un peu du mouvement, qui essaye de faire des appels à des âgés, d'aller dans l'administration, maintenant, ils essayent d'adhérer, je pense. Donc, en fait, il faudrait essayer de, ben,
essayer de voir un peu les gens que je vois Hirak, ou même ceux qui sont un peu loin du Hirak, mais qui essayent d'arranger, qui veulent arranger la fac, l'université ou l'école dialogue. Essayer de faire des réunions, de voir un peu les systèmes, comment faire, et de lancer donc des AG. Je pense que bon, là c'est compliqué de lancer des AG, mais la lira est déjà normalement la rentrée, un aula que tu fais l'administration, lancer ou les AG. Mais comment dire? Parce que c'est vraiment le meilleur moment pour rassembler des gens, surtout les djiboulés L1, les premières années. Je veux pour rassembler les gens et pour en fait leur montrer qu'il y a un espoir, que déjà l'azm l'hirak yousol, parce que je crois, sinon hatqara fdel, c'est franchement pas une vie, en sachant que même les gens, les doka, alors marahin à l'étranger, le qaraïom, c'est ça le paradoxe là-dedans. Donc, en gros, aider à la fac, ça peut aider le hirak en soi, parce que ça permettrait de faire des conférences, juste de faire des réunions, de discuter, de faire des débats, de réfléchir, maintenant. Si le Hirak avance et qu'il avance dans la bonne direction, ou que en général le blad tsigen, ben t'as ta fac het tsigen, logiquement. Je trouve c'est une boucle en fait de cause à effet, et c'est on est ben on est directement affecté par ça, et faudrait s'y lancer. Et à la limite, ce que la personne peut faire, c'est prendre contact avec les différents collectifs, les Kayen, du moins qui n'a un CEC, qui est une réelle. T'es à niveau éteint normalement. Voilà, donc essayer de prendre contact un peu avec les gens, et on pourrait faire tout un live sur ça à la Koulihal. Donc je laisse la parole. Amila, si tu veux continuer sur ce sujet, je te donne la parole sur le fait de comment éveiller l'étudiant et lui redonner confiance au sein de l'université pour pouvoir regagner l'espace universitaire. D'accord. Alors, bon, en fait, ce qui s'est passé après le 22 février est la preuve que si les étudiants ils sont solidaires entre eux, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. Genre, comme j'ai dit tout à l'heure, à un certain moment, on faisait nos AG, nos votes, et l'administration, bon, voilà, on a décidé telle chose, ils respectaient ça. Genre, même s'il y avait des petites menaces de temps en temps, mais ils respectaient ça parce que c'était la voix des étudiants. Et c'était à ce moment-là, d'ailleurs, que moi-même, j'ai constaté à quel point on a du poids. Genre, un étudiant, c'est pas ça. On a démocratisé pour un moment, on va dire, l'école, et c'était trop bien. Donc, il y a cette preuve qu'on a vécue, je crois, très récemment, qu'on peut faire ce qu'on veut si on est solidaire. Certes, il y a beaucoup de menaces de la part de l'administration et des fois même des profs, parce que il y a eu des problèmes avec les étudiants qui étaient plutôt active l'année passée après la reprise. Donc quand il n'y avait plus d'événements, on va dire la plupart des étudiants étaient très très très, enfin j'allais dire, ils étaient avec leurs études, ils avaient un programme très chargé parce que voilà, il y a le retard des 3 mois dont on a fait grève, et donc ils étaient moins intéressés, je veux dire, par rapport à ça. Et donc ceux qui ont reçu des menaces, et même il y a ceux qui ont refait l'année par rapport à ça. On n'a pas pu faire un... Ça n'a pas fait autant d'écho que ça aurait fait avant. Donc voilà. Mais c'est trop ça, c'est trop qu'on peut faire. Si on décide, Kimakal Nadine, de faire des AG, de débattre, je ne vais pas dire la grève, mais de débattre de nos droits, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. C'est si bien le projet politique, qu'est-ce qu'on a nos droits au sein de l'école. Genre, l'année passée, enfin... L'année passée, voilà, on a eu des problèmes par rapport à ça, de faire un simple transfert. L'administration a refusé ça alors que c'était de notre droit le plus, genre, le basique, quoi. Et alors que il fallait de la réglementation, car voilà, nous aussi on connaît la réglementation, c'est mon droit de faire ce transfert. Ça a vraiment pris beaucoup beaucoup de temps, il y avait beaucoup de menaces aussi, mais à un certain moment, qui sont maintenant des qui nous ont laissé faire. Donc voilà, faut vraiment qu'on soit solidaire, qu'on connaît nos droits, nos droits, les bourses, je parle de budget, des clubs, il y a trop de choses vraiment. Parce qu'il y a la première année, on ne connaît pas ça. Genre, tu t'en occupes, tes modules, ils se mettent à la note éliminatoire, le règlement, ou basta. Genre, mettre ma blita les droits.
d'organiser des événements, de faire des clubs, de profiter des bourses, il y a tant de choses. Et c'est très malheureux. Donc, comme conseil, la première chose à faire, c'est de lire la réglementation qu'il y en a de son établissement. Et sincèrement, il ne faut pas avoir peur des menaces parce que c'est vraiment des paroles en l'air. Et au pire des cas, vous pouvez même, si l'administration, vous avez le droit le plus absolu de les attaquer en justice. C'est votre droit. Et ça, la chose qu'on savait pas avant le hack. Je suis complètement d'accord avec toi, Amina, et je vais rebondir sur ça parce que, comme l'a dit, il faut profiter de cette rentrée pour mobiliser les premières années qui ont. Généralement, nous, quand on rentre en première année, on a une très bonne vision de l'université. On la voit comme des campus à l'étranger où on peut adhérer à des clubs scientifiques, adhérer à des clubs d'études, etc. Mais après, on voit que c'est des milieux où on peut que venir faire des études, courtes TD et repartir chez soi. Donc, l'idée serait déjà d'intégrer les premières années et de leur adhérer à leurs droits et de leur expliquer qu'ils peuvent ouvrir des clubs, se réunir dans des salles et faire des AG, même si ce n'est hors Hirak, mais aussi pour revendiquer leurs droits et s'enrichir de manière conséquente. Et il y a aussi Nadim va confirmer ça, le moyen d'intégrer la communauté administrative afin de pouvoir, comme tu as dit, être au courant sur le budget, les salles et toutes les activités qui puissent y avoir au sein de l'université. Nadim, tu as une idée sur ça et comment le faire de manière très démocratique et élue? Je te donne la parole. Alors, donc, je n'ai qu'il compte parce que Anna, personnellement, je suis représentante à mon département, à le département SNV, la faculté des sciences de l'université d'Alger 1. Et le truc, c'est que carrément dans la loi, il y a une loi, carrément, les trolls, chaque département, non, je parle des universités, chaque faculté, dans une faculté, la faculté, les étudiants ont le droit d'élire deux représentants élus démocratiquement pour une durée de 3 ans au conseil d'administration de l'université. Ou même au sein de la faculté, qui est un conseil de faculté, il est fait un représentant de chaque département. Ou alors les conseils, en gros, je note, tu as le budget, tu as le budget, par exemple, pour chaque chapitre, en gros, il est de combien, quel pourcentage on a utilisé, tu peux proposer des choses, on pourrait l'utiliser, ça, etc. Et tout. Z, le budget, tu as cool, les infrastructures. Z, tu as les aménagements, par exemple, je ne sais pas, tel truc à Mksar, tel, en gros, de plein de choses. Et surtout, ça te permet de confronter directement l'administration. Ça va être chaud, le doyen, le vice-doyen, le recteur, maintenant, les chefs de département, d'AMEC. Et le truc, c'est que si par exemple, on va dire une faculté, un DACA de département, ça fait 4 étudiants. Ils peuvent imposer leur voix. Et quand tu es représentant, du moins quand il y a un représentant élu, etc., il peut lancer des AG qui mais il déloge des problèmes. Je relis d'aller à des canards ou il me doule directement. Voilà, un des droits de faire une AG. Et donc, ça permet vraiment de faire un saut qualitatif, on va dire, la faculté dialogue, l'université dialogue. Ou à dire un des droits, tout simplement. Ou, d'ailleurs, je vais chercher, je vais mettre le décret exact ou mettre les commentaires. Je trouve, on va l'épingler. Je trouve, vous avez le droit. Ou carrément, même l'administration n'a pas le droit de refuser. Je crois que si il faut aller à dire. Pour vous dire sûrement qu'il y a des universités où il y a une caïne, où il y a une caïne, où il y a une caïne, mais surtout que, pour vous dire, il y a une caïne de la fac centrale, il y a une caïne de la fac centrale, mais normalement, il y a une caïne de la fac centrale, il y a des posters partout, les étudiants, ils se sont oubliés des gens qui les représentent, non. Je crois que le WBN, c'est à la base des représentants, intégrés. Sachant que les représentants ne peuvent pas faire ça. Avant le Hirak. Après, donc pendant le Hirak, on n'avait pas parlé de ça, vu qu'on faisait des élections démocratiques, on a la bonne âge couche, Kain et tout. C'est en fait ça qui tue, c'est de vivre avec le moment où tu as les reines, tu as les clés, tu as décidé. On va te faire un moment où tu as un Benadim et tu as dit. Donc en fait, reprendre ce droit-là et cet acquis-là, c'est un acquis fondamental qui permet de surpasser les syndicats. Je crois que le syndic,
يجي يدافع على روحك، انت تروح تدافع على روحك. لي زيتيديون اونتر اي ديسيدي واش حبوا يدافعوا واش حبوا يجيبوا، يقدروا يجيبوا حقهم هكذا. Et c'est la même chose pour les délégués, parce que tout ce qui est pédagogique, ça se décide en conseil pédagogique. Au reste, délégué, les délégués, ils sont. Donc, même je conseille aux étudiants, les ont la fac dialo. À part si le délégué dialo intègre, va te proposer pour être délégué, il n'y a pas de problème. L'administration, pour l'homme, un an, dans telle section, tel groupe, un an, ou être délégué. Voilà, délégué, et tu peux faire avancer les choses, parce qu'en fait, تعلمت حاجة أنا بور فو دير كنت ريبريزونتون دونك في الموفمون ايستوديونتان جو بونس كيما أمينة كنت ريبريزونتون اتسيتيرا ديليغي سيكسيون من هنا. كي جا العام الجديد دونك هذا العام اون سبتمبر ما حبيتش نكون ديليغي، قلت ما نبانش ومن هنا يقول لك حب الكرسي من هناك وتعرف من هنا. خليت تلقى عباد اللي شغل ما يديروا خدمتهم ما يديروا منا ما يسي، تلقى روحك انت دير خدمتهم ليتيرالمون. دونك ان فات في بلادنا تخلي كرسي فارغ سي بيغ كو تكون فيه ويسبوك ليتيرالمون. تقول كون فيه وسي دير دي جوز يا سيدي ايغويستمون غير على روحك، باسكو كي تسقم لا برومو ديالك انت ثاني حتسقم قرايتك. دونك فرونشمون جو كونساي ا تو الموند دو لو فير، و سي ان بو سكو نيسي في لو كوليكتيف ديالنا دي موان لا فان. On va essayer de faire un peu ça parce que clairement, je trouve ça ne va pas continuer. Et voilà, donc je mettrai le décret en commentaire autre chose. Mais c'est quelque chose d'hyper important, franchement. Ah, super. Maintenant que Nadine vous a parlé un peu des moyens qui peuvent s'offrir à vous au niveau de l'administration, moi, je voulais vous parler des moyens qui peuvent vous apporter à faire un club scientifique. Parce que nous, au niveau de notre université, on en a déjà un. En fait, déjà, l'utilité du club scientifique, c'est d'avoir des activités que l'université n'apporte pas. Genre, par exemple, nous qui sommes une université scientifique, il y a des étudiants qui sont un peu calés en espagnol, ils offrent des cours en espagnol, on n'a pas des cours de rattrapage ou des cours en plus. Donc, d'autres étudiants se proposent de venir en aide à des étudiants qui ont des rattrapages, qui ont des dettes. Donc, tout cela peut vous apporter que du plus. Et pour cela, c'est très facile. En fait, vous avez 50 signatures à récolter au niveau de l'université qui contient au moins 20 000 étudiants. Généralement, un campus, c'est pas mal. Et trois représentants pour gérer le club et un prof pour encadrer tout ça. Et généralement, c'est le problème des profs, en fait. C'est le problème des profs pour encadrer tout ça. Ils voient ça comme une responsabilité ou sinon ils voient ça comme un moyen de l'étudiant de prendre le contrôle sur l'université. Il un peu bloque l'avancement du projet d'un club scientifique, mais sinon c'est très utile comme projet. Donc, Amina, tu as une idée sur les clubs scientifiques? Vous en avez déjà dans votre école? Oui, on a trois, enfin, on a deux et une association. Bon, par rapport à nous, en fait, c'est presque la même procédure. Par contre, on n'a pas besoin d'un prof pour nous encadrer. Donc, 50 signatures seulement. Le groupe, enfin, il faut avoir 15 personnes, je pense, dans le club. 5 personnes qui sont, genre, le président, vice-président, machin. Et voilà, il faut mettre toute cette liste, la faire, bon, mettre de motivation, je dirais, pourquoi vous voulez faire ce club, machin. Votre programme, les événements que vous allez faire pendant l'année. Moi, c'est ça le truc qui n'est pas le même, c'est que début d'année, il faut donner une liste des événements qu'on va faire pendant l'année. Je me dis que je dois, pour ce février, je veux dire que voilà, d'ici 15 jours, je veux avoir l'amphi pour tel événement. On n'a pas ce droit. Par contre, voilà, donc c'est plus simple, c'est plus facile. En plus, bon, les écoles, on n'est pas nombreux. Donc, mon école, par exemple, il y a 1200 personnes. Donc, les clubs Macache Pizarre, toutes les universités. Et donc, voilà, pour faire un club, une association, c'est très, très facile. Il faut juste assumer sa responsabilité, vraiment faire ça pour le bien des étudiants, pour le bien des roulements des études. Et voilà, c'est tout normal. Donc, je pense qu'on a fait le tour à peu près sur les moyens qui s'offrent à l'étudiant pour reconquérir l'espace universitaire. Et pour mettre en avant son engagement étudiantin, il faut savoir que cet étudiant aussi est un citoyen à part entière et qu'il se doit d'amener sa contribution à la vie sociale qui rassemble le monde économique, associative, donc
que ça se rapproche à peu près les associations et les clubs scientifiques, ou encore humanitaires et culturels. Donc ma question est, est-ce que vous voyez, comment vous voyez le moyen pour cet étudiant de ramener sa contribution dans des milieux, bien sûr, qui sont liés à ses études, mais qui le rapproche de la société dans laquelle il aura un rôle de responsabilité à part entière une fois diplômé? Donc, c'est comme vous voulez, Amina ou Nazim, celui qui veut prendre la parole en premier. D'accord. Alors, bon, c'est à travers les clubs, hein, parce que c'est à travers les clubs qu'on peut faire des événements, qu'on peut. Pas forcément des événements dans le domaine terrain, on peut faire des trucs des cloisons plus universitaires, passer entre étudiants, mais aussi on peut faire des événements qui sont en contact avec la société, qui sont en contact avec les plus jeunes, les nouveaux bacheliers, avec même des enfants. Par rapport, bon, il y a un autre domaine, par exemple l'architecture, on peut faire des chantiers, on va dire des petits chantiers comme ça, où on travaille à l'aménagement extérieur, chose qui a été faite l'année passée, pendant où je pense on a réaménagé un endroit à Bellecour, voilà, et un espace extérieur pour les enfants. Donc on a travaillé avec eux, on a fait des petits balançoires comme ça. On a tout travaillé avec eux et c'est trop sympa. Donc, ce contact avec les jeunes, avec les habitants de ces quartiers. Et voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut faire pour être en contact. Sinon, bon, bien sûr, il y a les partis politiques, il y a vraiment les événements, on va dire, de business, entrepreneuriat. Ça, c'est des choses qui engendrent ton domaine. Tu ne devras pas être genre, tel domaine pour y participer. Donc, vraiment, faut voir les associations techniques libérales, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, je ne connais que ceux à Alger, mais voilà, ça permet d'avoir ce contact dans la société civile, ce que j'allais dire. Et c'est tout ce que j'ai dans la tête. Exactement ça, en fait. Merci Amina. En fait, je vais rebondir sur ça, en fait, parce qu'il y a aussi des associations citoyennes au niveau des quartiers. Par exemple, Youssef qui vient de nous rejoindre. Je te laisse te présenter, Youssef, avant de continuer. Merci. Qassem Youssef, étudiant d'Oran. Donc, pour le moment, c'est ça. Très Tu bien. disais, Malik? Donc, Youssef, qui est Oran aussi, j'imagine qu'il se rappelle de l'initiative dans laquelle on voulait s'intégrer par rapport au quartier de Sidlouaye pour ramener au goût du jour ce quartier et pouvoir le rénover à l'aide des habitants et à l'aide de la communauté qui est déjà. En fait, c'est un quartier historique qui est un peu délaissé et dont le budget de rénovation, on ne sait pas trop où il va. Il y a quelques associations basées là-bas qui font ce qu'ils peuvent pour pouvoir remettre au jour des monuments comme des églises ou de vieilles mosquées. Et bien sûr, ça s'est arrêté parce que ça s'est retrouvé avec la période du confinement et on s'est arrêté là. Donc en fait, Youssef, on est sur la question comment l'étudiant peut s'intégrer à la société et militer une fois citoyen et une fois diplômé. Donc, quel est ton avis sur ça? بون جو مي رابيل جو بونسالي الملك اللي قال لي هاد الهضره اش قال لي يا ملك قبل كاع ما نبدا في هاد السوجي توجور il me disait على الحراك et tout كان يقول لي que c'est un mouvement populaire et non citoyen تقول له كيفاش قال لي مازال ما لحقناش النيفو de la citoyenneté et ça pousse à réfléchir au fait حنا étant étudiant quand on sort de l'université ou là maintenant quand on est au sein de l'université la question qui se pose est-ce que on est des citoyens ou là on n'est que étudiants. Parce que lorsque tu dis citoyen, il faut participer à les actions de la citoyenneté. Est-ce qu'on fait partie de cette. Est-ce qu'on est vraiment citoyen? Est-ce qu'on se sent citoyen? Est-ce qu'on a une valeur ajoutée dans le milieu Tana, soit au sein de l'université, soit en dehors de l'université? Nazim a bien parlé à la. L'initiative de la rénovation, en fait, c'était pour. C'était dans le cadre de la rénovation de Sidi Houari Planteur et tout. Le projet s'est arrêté. Kimogbila Smaatna la période de novembre, Galouna un mois, pas de réunion, pas d'activité. Mais en fait, c'était la période où on activait. C'est la période où le projet s'est lancé et il fallait être au moins l'organigramme et tout ce qui devait être fait. Malheureusement, ils nous ont cassé.
avait le professeur Gnashi qui s'en a chargé de ça. Hersouha, déroulha bzaf araqil au point où elle s'est sentie vraiment. Freiné dans sa lancée. Exactement, exactement. Donc, Anna, étant qu'étudiant, j'étais convoité pour ce projet. Toi, Nazim et Oussama, qu'on a convoité pour le truc. Comment est-ce que tu t'es senti qu'arrête de l'écouter à Hbez? À un moment, t'as la morale parce que ce n'était pas dans nos mains. Et vous voyez, donc, qu'il y a les paradoxes au sein de la société Tana, mais malheureusement, il y a aussi un manque d'engagement par Hnaya, les étudiants, et aussi les enseignants Tawana, ils ne font pas, je dirais, assez d'efforts pour nous aider à progresser les projets qu'on se fixe ou les buts qu'on se fixe à atteindre. D'accord, donc, très bien. Donc, merci Youssef. Comme vous devez le savoir, moi je dois vous laisser, je dois passer la main à Nadim si tu veux continuer de modérer cette réunion. Merci à tous pour votre participation et je vous laisse continuer dans ce débat, dans le sens de l'engagement de l'étudiant en tant que citoyen et dans le monde politique. Merci à tous. Merci, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez... Youssef, tu voulais dire quelque chose. Ouais, au fait, tout à l'heure, Nazim m'avait posé la question... C'est pour ça que je voulais assister à cette réunion. C'était Alèche ou Kifèche ou Oktèche, l'étudiant pourra participer efficacement à la société civile, à la vie politique, pour devenir un bon citoyen et contribuer à la citoyenneté, à l'environnement. Je dirais que, comme vous l'avez, j'imagine, constaté durant le Hayak Talaba et tout, les étudiants ont essayé de faire des trucs. Mais. On n'était pas très malin et on n'avait pas des gens, en fait, des gens qui nous entourent, chez Guidouna, où ils nous donnent au moins, ils nous encadrent. Donc là aussi, je me reproche ça et je reproche ça à mes enseignants sur le fait qu'ils n'ont pas fait et on n'a pas fait grand chose, soit le wa'i siyasi kima yqoulek, soit le wa'i taqafi, soit le wa'i iqtisadi ou le wa'i kima yqoulek. L'activité au sein des associations. Et pour cela, je pense qu'on doit vraiment se ressaisir et se poser les bonnes questions afin de progresser. Parce que, comme je le dis toujours, si on ne fait pas une analyse de ce qui nous a empêchés de progresser, on n'ira pas loin. On va toujours répéter les mêmes bêtises. On va toujours répéter les mêmes, je dirais, mêmes conneries. Donc, tout à l'heure, j'étais en taxi, je ne pouvais pas participer. Alors, où est-ce qu'on en dit? Alors, je pense qu'on va le faire, Inch'Allah, incessamment le relou. On va cadrer les réunions, mais en même temps, on doit trouver des formateurs ou bien des conseillers. Parce que, par exemple, j'ai une idée, elle a le militantisme, elle a une vision politique, une idéologie et tout. Mais j'ai pas un cumul, j'ai pas un vécu aussi important qui m'a les enseignants. C'est vrai, je peux lire, je peux même. Mais je ne suis pas un militant, faire un parti politique, parce qu'on a un cadre qui est. Et comme je ne veux pas militer, faire un parti politique, parce que j'ai des convictions que les partis politiques actuels, ça ne va pas. Donc, on doit trouver une alternative pour apprendre. Et je pense que la meilleure alternative, on a les meilleurs, on a des gens très compétents à l'université algérienne, ce sont nos enseignants et tout. Ou n'attendons notre vision pour le futur parce que, comme ils essayent de nous faire croire, c'est nous l'avenir. Donc voilà. Ben, merci beaucoup et vas-y Amina. Je voulais dire quelque chose. Non, je n'avais rien à dire. Ben, je suis très d'accord. Mais pour certains même limite participer à des conférences quand même pour certains par exemple donc vraiment tu sens que tu as des choses ou que
les partis politiques tabana la même s'ils voudraient faire quelque chose, même s'ils sont de bonne foi, ils sont à côté de la plaque, ils sont complètement, on va dire, ils sont pas du tout en phase mais la réalité, ils sont en décalage complet ou marrant le mondial ou la réalité ou le monde. Même il y a des à mon avis, je crois, même que trouve un agrément, déjà l'agrément il faudrait qu'il au moment. Je crois il n'y a pas besoin non plus de se faire tout un une idée sur ça. Ou Zid, tu le qui mais je parce que Zadouf, le 20e siècle. Je parce que Mazaloum une idée de la politique arriérée. Je crois les Madjibouel, ou pour rien au final. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de réelle stratégie ou de réelle vision qui m'a ou qui m'a plusieurs personnes, même plus âgé que nous, mais un domaine là quand même a de la fraîcheur, les idées ou le militantisme. Et si Je tu me m'excuses juste, Nadim, dis, je voudrais juste oui, faire un bien petit sûr, commentaire vas-y. sur ce que tu viens de dire là. À propos de ça, au fait, il y a un autre problème. Hnaf, notre génération, et la génération de nouveaux militants et de jeunes militants plutôt, on n'a pas de grande sensibilité vers ceux qui sont contre nos idées ou la, voilà, ceux qui sont contre nos idées et nos principes. Et les vieux, les bon, avec tout le respect que je leur dois, mais c'est une réalité. Moi, un laïc ou là de droite ou là de gauche, mais tablouche. Là, on n'a pas ça. On essaie de dépasser le point. Malheureusement, je vois que récemment, depuis que le Hirak d'El Posta à cause du Covid, il y a beaucoup de personnes qui commencent à tomber dans le jeu où l'inan nerfdout même ta l'ikanokbelna. Il faut qu'il l'attaque quoi qu'il fasse, même s'il a raison. On voyait qu'il n'y avait pas une solidarité. Quelqu'un se fait arrêter, même si on blâme et tout. Je prends toujours l'exemple de Ali Belhaj, malgré que juste pour info. Un démocrate ne prend pas sa défense. Pourquoi ça? Tu sais que Ramadlom, tu lui reproches un truc. Inculpez-le. Mais le fait de voir qu'un citoyen algérien il a une nationalité jazaïrienne. Il refuse parce qu'il a rayé le marché ou il refuse. Il dit ah, je m'excuse pour ça. Je suis contre. Mais tu fais pas mal. Fais les idées. Fais. Et quelque chose tu fais mal. Mais contre ça, c'est pas. C'est un geste d'humanité au fait. Les vieux, ils essayent de nous inculquer cette idée. Avec la haine envers la personne qui diffère. On le sent différent de nous. On est contre. Ça, c'est un point très important à soulever et je pense que c'est de notre rôle de baisser l'attention les derniers temps. Il faut baisser ça et il faut pas en fait, les vieux taouana les bonnes qualités et non les mauvaises. Donc c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce sujet. Désolé. Non, merci beaucoup. Alors, en fait, pour rebondir juste sur deux points, alors même qu'il roule les vieux, je crois qu'il est capable de faire ça. Les années 70, c'est la politique. En fait, il y a deux choses que je voulais, dont je voulais dire. C'est qu'en fait, qui a un rôle, les étudiants, comment ils pourraient s'inscrire la scène politique, une partie de l'avenir, c'est à c'est qu'il faut en fait. Tenir à nos principes, c'est-à-dire, en fait, même Benad Metbush, normalement, mais il faut dénoncer ça, c'est juste dénoncer le fait que ce soit le, comment dire, le jugement de nulle part, c'est pas normal. En fait, il faut vraiment tenir à ces principes-là, même quand ça t'arrange pas. Parce que même Rodoua ou c'est pas normal non plus. Même Moulehna, on s'en fiche. Techniquement, mais quand même, je crois si on veut aller avec de bons principes, il faut les appliquer partout en tout temps.
Ouzid, le deuxième truc, les problèmes idéologiques. Bon, en soi, le fait d'évoquer les idéologies, dans un certain sens, c'est bon. Dans un sens, ça permet de vraiment confronter les différentes idées, parce que d'accord, pour être sûr, on n'a pas forcément la même idée qu'à Jazeera, qui est une chouchoura. Donc, on dit que Jazeera est là, qui est là, capable, qui est mal en latin, on aura des visions complètement différentes. Mais le but, c'est d'arriver à discuter de nos idées. Pourquoi un Khamem Hagda, ou Amin Khamem Hagda, ou Youssef Khamem Hagda, ou Nassim Mishoufouna Khamem Hagda, ou qui fâche, on peut les faire converger. Forcément, pour les faire converger, là, on a fait une texte qui est Khamem, un qui est Khamem, ou qui fâche, on peut donner un Aussi, le problème, des conflits idéologiques, les salafs, les réseaux sociaux, ou les. En soi, Kano Bzef. Motivé, du moins le moteur de l'homme, c'est Adoum al-Ibad al-Khadam. Et mazal l'homme, il y a un thème très mouche qui m'a l'air, il y a un thème à l'Akshmahis d'Yel, il y a un quadon d'Arbo, maintenant. Ou un tir à l'Ali, qu'on te tire à l'Ali, maintenant. En fait, c'est le fait d'être en ligne. Pour la bêche, on le compte. Quand en ligne, qu'il y a un thème qui nous écoute, j'ai 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 un fil d'actualité d'Yel, parce que, bon, mine d'ac, je crois que Le truc, c'est que, juste en discutant. En fait, ça montre que le présentiel, se voir, ça compte beaucoup parce qu'en fait, le fait de ça humanise en fait la personne et ça te force à vraiment qui alors que sur les réseaux sociaux, tu vois qu'il m'a personne X. Les maouches, les Donc en fait, en soi, on a vraiment besoin de ce contact humain pour ressentir Kimanta ou les Arwanes direction toi. Voilà. Bien comme à ce moment-là que je me bois. Voilà, pardon, ça s'est coupé, mais bon. Mais en fait, bon, je veux juste dire quelque chose. À la Oushkan l'an dernier, en fait, on peut très bien sur Facebook s'attaquer, par rapport aux idéologies, par rapport à différentes opinions, par rapport à beaucoup de choses. Mais une fois on est dans le terrain, genre, en pleine manifestation, s'il y a un policier, Désolé. je ne sais pas quoi, je vais prendre sa défense, et lui de même. Et c'est ça, c'est la chose qui est. Les manifestations, je dirais, c'est que peut-être sur les réseaux, on n'est pas d'accord, mais sur le terrain, on est tous unis. Comme si l'IA, et ainsi de suite. Et c'est ça ce qui a fait cette solidarité. Chose, je dirais, plus ou moins pendant le confinement, enfin, du moins, je finirai sur les réseaux sociaux, ce qui est logique parce qu'on n'était pas sur le terrain. Mais il y avait toujours des contacts à chaque semaine, je dirais, deux fois par semaine, parce que vendredi ou mercredi, ou mardi, pardon. Et voilà, chose qu'on a perdue pendant 6 mois. C'est pas n'importe quoi. Et ensuite, bon, il y a eu le vide qui a engendré une dybdo des débats juste pour parler. Et ce qui a fait que l'Hakman a des problèmes, les idéologies et tout. Et en fait, je pense que ça remonte à chez Relaxa, les Talimna, mais c'est, on apprend toujours, on nous a toujours appris plutôt que Moi, je pense ainsi. Alors que ça n'existe pas. On peut très très bien exister. C'était ça ce que le Hirak a présenté. Parce qu'à un certain moment, on voyait toutes sortes de personnes marcher ensemble dans les marches, dans les rues d'Alger ou partout en Algérie, pour revendiquer les mêmes choses. Une Algérie libre, une Algérie libre, c'était ce qu'on voulait. Et ça a aidé à ce décloisonnement, cette idée نقدر انا نتعايش مع هذاك وهو يتعايش معايا et ainsi de suite sans insulter qui que ce soit. Mais voilà, malheureusement, bon, pendant la pandémie, on a perdu un petit peu ça, mais je crois très très fort qu'une fois on va reprendre les marches, les pancartes avec pas d'idéologie, le Hirak et tout. Et voilà, Kimaya, il y a une pancarte que j'ai vue récemment, enfin, c'est d'une ancienne marche. Elle doit attendre les ça N ou N. Elle doit attendre ou N ou N. Et c'est trop ça. Voilà.
Bah, tu m'excuses, au fait, j'ai une petite remarque d'année D'accord. sur le fait de dire qu'une fois le Hirak, enfin, une fois que les marches vont recommencer, radit tous les trajets. Toujours, on a la madame Gnashi, et je respecte énormément, c'est un prof Adnan. Après le 12-12, Youssef, est-ce que vous avez un plan B dans le cas où les élections présidentielles, ils foutent tout? Est-ce que vous avez prévu quelque chose, les Timshu La question que je me pose maintenant, toujours, il faut toujours envisager le meilleur et le pire. Si les marches vont tarder à reprendre, D'accord. si les marches vont trop tarder à reprendre, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord. C'est ça Bon. la question en fait. Et Ok. pas, si Bon. tu permets juste une seconde. Oh, pardon. Et en dehors, allez, le fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour reprendre les marches, il faut parler de la globalité. La globalité, c'est le peuple algérien, pas les hirakistes. Nous toujours nous disons dans les réunions, dans le Kibdina Galrelo, Ben, Tassisi, est-ce qu'on a le climat hirak ou on a le climat hirak. Je disais toujours que lorsqu'on fait un projet, il ne faut pas nous mettre le hirak, le nest al-hirak, parce que le nest al-hirak, je suis d'Algérie. Oui, bien نست sûr. الحراك عنصر من الجزائر دونك كي راكم كي راه يتبان لكم بلوتو دون لو بير دي كا كاس كو لو حراكيست ولا سوا ديزون لي ناسيوناليست اي لي جون كي سون انجاجي بور لو بيي كاس كيل بو فير اي كاس كيل دوا فير بور ردوني في لالجيري كي اي ان تران دو كروفي ا بتي فو D'accord. Alors bon, par rapport à la première question. Bon, quand je dis quand on va reprendre le Hirak, ben ça c'est le plan A, comme tu as dit. Mais par contre, comme plan B, on peut faire ce qu'on est en train de faire maintenant, ben c'est les débats en ligne, c'est la création des organisations, c'est la structuration surtout. Bon, là, par rapport à beaucoup plus les étudiants, c'est plus facile, mais ensuite, ça va transmettre pardon, aux citoyens. Donc, c'est cette création d'organisations, de collectifs, qui est. Pour dire le Hirak avant tout, avant de dire islamiste, le laïc ou la quoi que ce soit. Donc, mais ça prend beaucoup plus de temps, je vais dire, que le Ken Kounouf Terran. Mais voilà, ça ne veut pas dire que si on ne reprend pas les marches très tôt, ça ne va pas venir. C'est juste que ça prendra plus de temps que le Ken Kounou face à face, que le Ken Tlaqa ou que le Ken on faisait passer des débats et tout, des échanges, là, je veux dire. Nadim, ta réaction, plutôt ton avis à propos du sujet, dans le cas où il n'y aura pas, plutôt que ça va prendre du temps pour que les marches reprennent. C'est ça, ben pour vous dire, on a quitté le confinement. La dépression, tu as carrément. Je crois que ma coupe, tu me l'air. Au niveau carrière, niveau d'accord, Hirak, le bled. Donc en fait, ça m'a poussé à réfléchir sur tout ça. Et en fait, tout simplement, je me suis dit que Ida Medina Walou. Medina Walou. Ida Medina Walou, Mahal Hirak, l'azm au moins que. On puisse aider les générations liam jayin. Que c'est-à-dire que déjà, pour moi, que kinkemmel les études diaouli, que nkhli la fac en meilleur état pour les générations jayin que l'ilqita un an. Et en fait, surtout de former les nouvelles promos liam jayin, bach anakin rohmed la fac, mais l'établissement. Ikounou sera Houma la relève. Ils pourront reprendre le flambeau et continuer à faire avancer les choses. Hagdak, on ne peut pas savoir les révolutions. Sarah, on va dit Sarah après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans. Au Bladran, les révolutions, ils seront quand même. Istiamar, pendant 132 ans, il y a eu plusieurs révolutions. Donc, je pense que le plus important, c'est de créer des mécanismes, des institutions, en fait, des endroits qui permettront l'idjou après nous, c'est-à-dire l'hna, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans. Ilqa ou une université où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent faire des âges et des conférences, des débats. Ilqa ou des cadres, peut-être des partis politiques, des associations qui peuvent les former, qui peuvent leur donner un but, hein, vraiment de la consistance.
de la réflexion concrète. Parce qu'on a fait balai, un des problèmes les andna, du moment les d'Al-Hirak, c'est que le Hirak, ça a créé des milliers de militants. Des milliers de militants à travers le pays, des vraiment harin al-blad. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure pour encadrer les militants. Je le maquage des partis politiques, les associations, les mouvements, les collectifs, les imdou un sens, les imdou des idées, juste des idées, mais juste avant qu'on le manipule maintenant. Mais au moins donner des idées, bâche, au moins les militants, il y a un fou, ils diront une stratégie, etc. Donc en fait, le plus important, ce serait de trouver un peu une solution à ça et que les djoumbad mettent à couche le ralta qui fait. Et en même Donc temps, de leur laisser le champ libre, parce que bon, on est étudiant aujourd'hui, demain on ne le sera pas. Et Anna, personnellement, je ne pense pas que parce que je suis étudiant Lyon, لازم حتى نموت كي نكون 50 كي يكون عندي 50 سنة مازالني انا نقيدي في الطلبة ونقول لهم لا لا نديرو هكذا في المومون ستوديون طون فو ليسي لا بلاس او جون او ان فيت لي جون دو بلو تار دونك سي فو فولي راجوتي كيك شوز Anna, سينون je voudrais جو toujours. كونكلو Ouais, je voudrais oui juste rajouter ça. On prend l'exemple au fait de la révolution, ou là plutôt du soulèvement, t'as le peuple égyptien récemment. Et ce qu'il a essayé de faire, Tanif, juin, t'as l'année fête. En fait, ce qui se passe, c'est à peu près ça ce qui va se passer en Algérie. Le peuple égyptien, lorsqu'il a fait sa première révolution, elle a été volée. Et Darul Hambiha d'une façon qui m'a gardé dictatorial l'Askaria, très claire, d'une façon directe et indirecte. Et le choix, c'est qu'il n'avait pas une conscience politique, il n'avait pas une maturité politique. Ce n'était pas des citoyens, c'était un soulèvement populaire au Matani. Il ne savait pas quoi faire. C'est ce qui se passe en Algérie. Lorsque, j'aime pas utiliser le mot, je déteste d'ailleurs le mot, Bousba, il n'a pas. Le peuple algérien qui s'est retiré de cette révolution, il n'a pas une maturité politique qui lui permet de suivre les événements actuels. C'est pour ça, lorsqu'il entend n'importe quoi, il est rassuré par la force, il est rassuré par les belles paroles, Al-Jadida, Sanata. D'ailleurs, on se rappelle, Jamal Ould Abbas, quand il dit que Jazair khair min la Suède. Il y a des gens qui ont Il cherchait juste à entendre quelque chose de beau, quelque chose de bien qui le rassure. À mon avis, ce qu'on doit faire si les marches prendront plus de temps à reprendre, c'est essayer de s'activer le maximum possible la société civile, que ce soit par les comités de quartier, des associations, des clubs scientifiques, afin d'apprendre aux gens comment militer. Pas militer des partis politiques ou là forcément un domaine politique, mais plutôt militer pour ses droits, demander ses droits, faire émerger elle dit que la conscience syndicale, elle dit que la conscience, c'est ton droit, tu dois le réclamer. Non, mais j'ai ce qui m'a j'ai ce qui m'a parce que tu m'as chbéri, tu m'as galo, donc, il est très important, à mon avis, de chercher à comprendre pourquoi l'Algérien simple ne s'intéresse pas, pourquoi l'Algérien simple s'en fout ou plutôt ne comprend pas bien ce qui se passe autour de lui. Si un de ces jours on arrivera à construire un projet de société qui va globaliser toute l'Algérie avec ses tendances politiques, religieuses et ethniques, c'est ce jour-là où on verra une Algérie meilleure. C'est ce jour-là peut-être qu'on arrivera même à changer les choses sans devoir se révolter comme on a fait le 22 février, que les choses commencent à se changer au fur et à mesure dans chaque secteur petit à petit. Mais ça serait grâce aux étudiants, ça serait grâce à l'élite algérienne qui est malheureusement absente et totalement absente, qui ne veut pas prendre ses responsabilités et qui, au fait, elle est confortablement installée le système aidant. Donc, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire pour une Algérie meilleure, Inch'Allah. Non, merci beaucoup, Youssef. Amina. Ah, vous savez tout dire, en fait, c'est exactement ça. Par contre,
Je pense que par rapport à ce que Youssef a dit, que le fait que on soit politiquement mature et conscient pour qu'on puisse construire l'Algérie demain, on va dire. Mais en fait, on s'intéresse autant, du moins moi personnellement, à la politique, à tout ce qu'il y a. Et voilà, donc il y a un soulèvement populaire encore une fois. C'est ce qui a fait que maintenant on s'intéresse, qu'on cherche, qu'on fait ça. Et même Nadim, en fait, je relis ce que vous avez dit, que au pire, on pourra, Inch'Allah, donner une meilleure voix pour les générations à venir, pour qu'ils savent comment militer. Donc, c'est pas rien qu'on a dit comme ça, et tiens, je vais me renseigner par rapport à mes droits, par rapport à ce que j'ai à faire, qu'est-ce que ça veut dire être un citoyen, et voilà, faire ça. Mais c'est avec des événements majeurs comme le 22 février qu'on s'intéresse à ça, qu'on cherche à savoir. Après, bon, peut-être le 22 février, au pire des cas, s'il ne réussit pas, ça pourrait être une voie pour les générations à venir. Ce qui est sûr, c'est que même si maintenant ça n'en a pas trop l'air, mais l'Algérie de maintenant est tellement mieux que celle les Kent avant le 22 février, ou les Kent Hatkoun, le 22 février ne s'est pas passé. Parce qu'on a aujourd'hui, voilà, ces jeunes-là, ces étudiants-là. Bon, enfin, je vais dire des jeunes pour ne Bah, pas je parler m'excuse. d'étudiants. Pardon, oui. Vas-y. Ah oui, qui Amina, qui Nadim, vous avez dit qui mène le pouvoir ou mène le Hirak. Ben, désolé, non, le Hirak, le Hirak nous a permis de passer un cap qui est très important. Le premier, c'était briser la chaîne de peur. Le deuxième, on a gagné une classe de militants engagés et heureusement, on n'a jamais eu l'honneur de parler à Nadim ou à Amina si ce n'était pas le Hirak. Donc, ça nous a permis de savoir qu'il y a vraiment des militants engagés à travers tout le territoire national et qu'on n'est pas seul. Ça, c'est rassurant. Et ça permet aussi de savoir qui contacter dans Inch'Allah, un futur proche pour une Algérie meilleure si un d'entre nous arrivera à trouver un projet de société ou qu'il voudra contribuer ou la faire des gens engagés parce qu'ils contribuent à un projet Inch'Allah, qui pourra nous faire émerger. Donc, l'idée, au pire des cas, non, je suis totalement contre, mais il faut continuer, c'est tout. Il ne faut pas être dans l'éternel recommencement, c'est ça. Non, mais quand je dis Balbahnawalo, genre, en fait, c'est ça, on a eu cette Donc, base. je vous ai Voilà. compris. On a eu cette base qui va construire le Sigas à Filjaza, je veux dire. Parce que, voilà, avant, il n'y avait pas ça. Pour Hnakibdina, non seulement on n'avait pas d'expérience, mais Moussavnech, une infrastructure, on va se baser à l'Ehaou. Donc, ce qu'on va acquérir, je trouve, la plus importante, c'est cette base. Ces gens-là qu'on connaît à travers l'échelle nationale, c'est voilà, c'est ce décloisonnement encore une fois. Et c'est à partir de ça qu'on pourra construire quelque chose. Donc, on est maintenant dans cette base à l'AFEA. Donc, soit nous, on construit quelque chose, on arrive à vraiment faire changer d'autres choses, je veux dire. Ou là, si on échoue à cette construction, il y aura les nouvelles générations qui vont suivre cette base, qui ont, il y a une infrastructure. C'est ce que je voulais Donc on n'a dire. pas échoué. On n'a pas échoué, certainement pas. Mais voilà, ça, déjà, même sans ça, c'est la chose, du moins personnellement, qui m'a. C'est bien, ça m'a donné de l'espoir, beaucoup, beaucoup d'espoir. Et ça m'a. Pas que, mais Kinshoufness, qui sont comme moi, qui ont beaucoup d'espoir en Algérie, que ça va continuer, que Amir Khidmat, ça me donne de la force aussi à continuer. Donc, ça, voilà, ça fait ça. Ben, merci beaucoup. Alors, pour rebondir, voilà. Alors, bon, je pense que je vais conclure. Je suis à au moins en gros, c'est que quand je vous l'université, il y a divers moyens de tous les actifs un peu en tant qu'étudiant, soit politiquement ou là juste citoyennement, que ce soit à travers le conseil d'administration, les clubs scientifiques, les délégués, etc. En dehors de l'université, qu'il y a des associations, qu'il y a plein de choses,
pour déjà se former, pour rencontrer d'autres personnes et pour essayer d'avoir quand même un impact du moins en dehors du Hirak, un impact à la Bladok. Et la chose que, en fait, je pense, le message de fin qui pourrait résumer un peu tout ça, c'est que il y a un temps où l'anti, la couture fait non, على بالي بلي راكو حايبين بلاد مسقمه راكو حايبين دزاير تكون كيما راهي في راسكم كيما كنت تحلموا من فيها. اي لو تروك سي كو ما تجيش هكداك وحدها، مي باغ كونتخ ماشي غير انت ولا انت اللي راكو تخمو هكدا، كاين بلان دو جون، مي فريمون بلان ما تقدرش تتخيل تالمون يونا، ميم كي تتلاقى بيهم وتحس بلي يونا اونكور بلان، هما ايزون كونيس دوتر اتسيتيرا، تسمى يونا بلان. اي مانك جوست كو كاع اون سو رونكونتخ que d'une manière ou d'une autre, ou que gars, on essaye en fait de trouver un projet ou des projets qui permettent de concrétiser ce qu'on veut. Et Allah ou nous, selon Inch'Allah, parce que dans tous les cas, des rouches d'air, tchaboulat kara, ou même t'auras le kharaj, un Algérien ou une Algérienne, n'importe où dans le monde, même le Maroc, il y a un Algérien. ويقعد حار على بلاده وحايب يشوفها تسقم ويشوفها فريمون يقدر يقول نقدر نولي نعيش فيها ونعيش فيها حياتي، باسكو دون تو لي كا حتولي دونك جو بونس كو كاع كيما رانا ا نابورت كان نيفو اللي رانا فيه نابورت او دون نابورت كال دومين اون بو ابورتي ان شانجمون اي نابورت او وين تكون كاين عباد واحد اخرين اللي هم حايبين هاد لو شانجمون il faut juste faire le premier pas. Et merci beaucoup, كانت الحصة ديالنا الثانية في دستورنا خاصة على الطلبة et en fait, الطلبة في السياسة. الحصة الجاية normalement تكون mardi prochain. Et merci beaucoup الأمينة و merci beaucoup اليوسف والنازيم اللي راح، ويعطيكم الصحة مشاهدينا الكرام اللي قعدتوا معنا كاع الحصة. Soyez au rendez-vous pour les autres live, les Handirohom, même les autres jours. Merci beaucoup. Merci Amina. Merci à Merci toi, Youssef. Nadine. Gardez comme ça. Merci. Et bonne soirée. À une les prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. اختطاف الناس، اختطاف واستعمال العنف.
سمي موندو باش تكملو بيناتكم باركي روندو كنتو العهد وماشي غير عهدو عشرين سنة وانتو ما القلة بردو حصلنا معاكم وراكم رشكتو هنا وحدكم بيريمي القلايا واليوم لالجيري وقفت على دربها نساو رجال وشبان من كل جهة خرجوا 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 لي زالجيريا خرجوا 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 لي زالجيريا خرجوا بينا نخملوا الكراسة نحلوا الثواسة ياللي مسحتوا الحاسة غير نفوق خليوا البلاصة يا طماعين رايحين تاكلوها قارصة حكمتوا بالعصا وبلا سياسة وركعتوا قدستوا كسر الرياسة وخندق الحرير ورغموا الملاسة وامتياز المرتب وسلوكوا المحلاسة